Sit by myself, talking to the moon. I didn't get Alors oui, l'alimentation pour un sportif, c'est très important parce que ça définit la santé du sportif, l'équilibre du sportif. Et c'est très important de bien manger, de manger assez, de manger suffisamment pour pouvoir être performant lors des entraînements. Donc oui, pour moi, c'est important l'alimentation. Je fais attention à ce que je mange, oui. Alors à l'approche de grosses compétitions, oui, je fais attention à ce que je mange, mais je ne me prive pas, dans le sens où je mange des féculents. Il faut que je tienne lors de la compétition, donc je ne vais pas juste manger une petite salade, enfin voilà, mais je fais attention à ce que je mange, pas de matière trop grasse, par exemple du riz, des pâtes, du sucre lent, et voilà, ça m'aide beaucoup pour la compétition. On a un suivi, oui. Alors j'étais au Pôle France de Saint-Étienne et on a la chance d'avoir un bon suivi à ce niveau-là. Oui, on est suivi, mais moi, en fait, j'ai toujours eu l'habitude de bien manger grâce à ma mère. Elle m'a toujours dit qu'il fallait bien manger, manger des légumes, du poisson, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je ne me force pas à manger des légumes juste pour manger des légumes. Donc j'ai toujours été habituée à bien manger, donc ce n'est pas quelque chose que j'utilise, mais on a des gens qui nous aident à ça. Alors la préparation mentale, c'est très 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 important, comme l'alimentation. J'ai un préparateur mental, j'en ai eu un pour toute la préparation des jeux. Et en fait, ce sont vraiment... Ça dépend du sportif, il y a des sportifs qui ont besoin de parler. Moi, je n'ai pas forcément besoin de parler, mais je fais beaucoup de préparation mentale au niveau visuel. Donc je me concentre devant la grille, je ferme les yeux et je me mets dans mon truc. Et c'est ce qui m'aide à être prête pour la compétition.